On continue avec cette déclinaison de cette partie sur le dialogue entre l'architecture et la peinture. Et cette fois-ci, je vous propose d'interroger cette réinvention d'un style décoratif à l'antique par les Veronèses. Donc avec ces quelques notions, Veronèse spezza preda, je vais expliquer après ce que ça signifie, mais aussi cette idée que l'illusion picturale anoblit la matérialité du mur. J'analyserai aussi la question des couleurs, la question de la perspective, et pour finir, dans cette réinvention d'un style décoratif à l'antique, la juxtaposition de la peinture et du stuc. La blancheur classique de ce vocabulaire architectural fait ressortir les parties de l'architecture peinte, ornées d'incrustations de marbre polychrome et de bronze fictif. Alors, cela renvoie à son travail de jeunesse dans l'atelier familial. Veronèse naît à Vérone. Il est issu d'une famille de modestes artisans sculpteurs. Donc, dans le dialecte véronais, on les désigne par ce terme, spezza preda, qui signifie tailleur de pierre. Donc, Veronèse très tôt apprend dans sa jeunesse le métier de constructeur et de modelage de l'argile. Et également, il a étudié directement les anciens vestiges, notamment de Vérone, et l'emploi qu'en font les architectes contemporains, tels que Palladio. Alors, analysons justement le fonctionnement architectural de cette petite salle du tribunal d'amour. Donc, on entre par le mur ouest. Le tribunal d'amour donc, est côté sud de la villa, en projection en direction des terres. Alors, cela va nous permettre de faire le constat des talents multiples du peintre. Donc, en amont, donc, sur ce mur, nous avons des sculptures peintes, monochromes, qui imitent le bronze, qui illustrent d'ailleurs côté ouest l'amour, avec Vénus et Cupidon, et de l'autre côté, la sagesse. Ces sculptures peintes sont encadrées de part et d'autre par des colonnes ioniques, mais aussi des pilastres. Tout cela est peint, tout cela est plat, plan, c'est une illusion. Et ces colonnes peintes semblent supporter un entablement en stuc. Voilà, un entablement en stuc qui est décoré d'un motif à l'antique, hein, en forme de vague, ponctuée, ça et là, d'écume. Donc cet entablement est orné d'une frise décorative, et sur cet entablement s'élèvent des figures, des atlantes, hein, en raccourci, donc ces figures masculines qui servent, à la manière des colonnes à surélever. On observe également que la lunette, là, est coiffée d'une tête de lion, que dans les coins sont représentés des canets antiques avec des représentations d'animaux bordés de marbre vert veiné de blanc. Donc, on constate que Véronèse a cette capacité à transformer, par le biais de la technique de la fresque, la brique et le stuc des murs en divers marbres colorés, de façon à animer l'encadrement de la voûte céleste, bien évidemment. Alors, pour renforcer cette animation, il va donner l'impression que des guirlandes sont suspendues, hein, des guirlandes peintes, des guirlandes fictives, mais aussi on va trouver des cornes d'abondance, des motifs de fleurs, de coquillages. Alors, pourquoi réaliser cela et comment le rapporter à l'art antique? Eh bien, les premiers artistes antiques employaient également la peinture murale de façon à déguiser les matériaux d'un mur par la représentation de matériaux plus nobles tels que le marbre poli. Alors là, je vous montre un exemple
d'une fresque du premier style pompéien, un style qu'on appelle à incrustation. Donc cette fresque se trouve dans la villa d'Ariana à Stabise, à 15 km du Vésuve, donc près de Pompéi, et c'est une fresque du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc on a un décor en relief, stucqué, hein, pour les frises, polychromatique ce décor, qui crée l'illusion d'un mur orné de plaques de marbre bigarré et de pierres de couleur vive, entrecoupées de trois colonnes, de trois pilastres ioniques. On voit le chapiteau ici. Donc dans ce premier style pompéien, il n'y a aucune intention de créer un espace supplémentaire. Il s'agit plutôt de montrer la richesse, hein, d'orner les murs, de les anoblir. Et tout cela est exécuté avec le pinceau et le stuc, hein, tout comme le font les artistes à la Villa Barbaro. Alors, Veronèse peint à l'antique également quand il choisit d'une certaine façon de juxtaposer aux couleurs vives des couleurs claires, créant un contraste très dynamique de façon à faire passer des couleurs devant ou derrière la vision. Donc ce contraste, on le retrouve par exemple à nouveau dans cette pièce de la Villa d'Ariana à Stabise. Mais aussi, Veronèse peint à la manière de l'antique parce qu'il utilise justement la perspective antique. Alors, quelles sont les particularités de cette perspective antique? Eh bien, on a des fuyantes, donc je vous les ai tracées, qui fuient en direction non pas d'un point, mais bien d'un axe de symétrie, tel d'ailleurs que le décrivait Vitruve dans son De Architectura. Je le cite, « Il est nécessaire, un centre fixe étant établi, que les lignes correspondent aux lois naturelles de la vue et de l'extension des rayons, de manière que certaines images puissent rendre l'apparence et que les objets peints sur des plans verticaux puissent sembler, selon le cas, s'enfoncer ou s'avancer. » Donc, effectivement, Veronèse utilise cette perspective antique qu'on trouve par exemple dans cette fresque de la Villa des Mystères à Pompéi. Donc on retrouve à nouveau, hein, cette idée de couple de fuyantes qui concourent en direction d'un axe de symétrie. Alors cette perspective, hein, pour ceux qui ont lu Panofsky, Panofsky l'appelle perspective à arête de poisson, hein, très simplement parce qu'on a des fuyantes qui concourent en direction d'un axe. Alors, toujours dans ce rapport de la technique picturale de Véronèse à l'Antiquité, on peut analyser aussi la relation qu'entretiennent, eh bien, la peinture et le stuc. Donc, justement, dans le quatrième style de la peinture romaine, eh bien, notamment dans ce décor illusionniste à la porte entrebâillée, que l'on trouve dans la maison de Ménéagre à Pompéi, eh bien, on voit bien que le stuc compartimente en relief les murs, donc du stuc là, pour les colonnes, mais également pour le pilier, ou bien l'encadrement de la porte, ou bien encore le motif de la porte. Donc le stuc compartimente en relief les murs d'une scène peinte, à la manière d'un quadrillage, relevé d'ailleurs par des fonds de couleur, bleu, rouge pompéien, peut-être un jaune. Et d'ailleurs, le stuc dessine les élévations, hein, notamment des colonnes, sans d'ailleurs vraiment tenir compte des différences de proportions, puisqu'on constate que la colonne du premier plan n'est pas plus épaisse qu'une colonne qui est située dans l'arrière-plan. Donc on a dans la technique du style tardif de la peinture pompéienne une interpénétration du stuc et de la peinture. À la Villa Barbaro, on n'est pas dans cette logique-là. On est plutôt dans une logique de juxtaposition. Hein. Les stucs ne sont pas peints, ils sont réservés à certains éléments de l'architecture, on l'a dit, hein, le fronton, l'entablement par exemple, la partie des frises ou la bordure des portes. Donc on est dans une logique de juxtaposition et non pas d'interpénétration. On en retient donc
que Véronèse, dans son respect finalement, dans ce même objectif de retrouver l'Antiquité, cet objectif commun avec Palladio, eh bien, réinvente un style décoratif à l'antique et fait revivre l'art pictural de l'Antiquité. Autre point commun de ces deux artistes, c'est ce concept d'harmonie qui régit l'ensemble de la villa. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la recherche de Palladio dans les rythmes de la façade, dans la relation des colonnes aux piliers, puis aux niches qui contiennent des sculptures, c'est une volonté de donner une unité, de créer une harmonie. Pourquoi ? Parce que de l'harmonie résulte la beauté. Et c'est là son objectif pour sa villa. Donc ce concept d'harmonie va se retrouver dans un premier temps dans ce vestibule qui nous accueille quand on a grimpé l'escalier latéral. Donc ce vestibule de la salle qu'on appelle la salle de la croisée, la voici. Donc effectivement, on va retrouver au transept, c'est une salle en forme de croix, la partie transversale, on peut utiliser un vocabulaire architectural religieux, on peut parler d'un transept. Eh bien au transept, on trouve des figures féminines qui sont disposées dans des niches. Elles tiennent toutes un instrument de musique. La musicienne au tambourin, la musicienne au tambour béarnais, la musicienne au violon, la musicienne au luth. C'est pour la partie du mur sud, la partie où on a des portes feintes en direction des terres de la villa, d'accord ? Et sur la partie du mur nord, donc toujours au transept, en direction plutôt du salon de l'Olympe, et encadrant des portes réelles, nous avons la muse à la lyre, la muse au hautbois, la muse au trombone, et la muse à la flûte. Donc, une iconographie préparée, pensée par Barbaro, qui s'accorde pleinement avec le classicisme formel de Palladio. Donc, harmonie finalement de l'architecture à la peinture, un concept d'harmonie décliné dans les rythmes de l'architecture, mais aussi dans l'iconographie de la villa. Ce concept d'harmonie se retrouve de manière magistrale dans le salon de l'Olympe. Donc quand on s'avance de la salle de la croisée en direction du salon de l'Olympe, qui donne lui-même sur le nymphée, eh bien, on découvre d'abord effectivement la peau des murs, on peut lever la tête, puis à nouveau regarder les paysages, regarder les lunettes, se promener dans l'espace, puis peu à peu, on fait le tour de la salle, découvrir la voûte. Donc les lunettes d'abord et la voûte. Alors, donc, cette voûte est ornée en son centre d'un octogone dans lequel est représenté l'Empyrée. Alors, cette fresque, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, la fresque de la voûte est vraiment visible quand on arrive de la salle de la croisée et qu'on vient de passer la première arcature et qu'on peut lever la tête. Il me semble que c'est le point de vue le point de vue idéal pour contempler la voûte. Je m'adresse au promeneur, si je ne me trompe pas, donc c'est ça. Donc, au centre de cet octogone, on trouve une figure souveraine, triomphale, dominatrice, c'est une figure féminine qui est vêtue de blanc et de bleu, qui est assise sur un dragon et entourée effectivement d'un halo doré. Alors certains y ont vu une représentation de la Vierge Marie en tant que nouvelle Ève au pied du serpent du péché originel.
ou bien la femme de l'Apocalypse, d'autres la sagesse divine, l'amour divin, l'harmonie. Quoi qu'il en soit, elle surplombe des divinités planétaires. Donc on va retrouver donc en dessous de cette figure féminine, en dessous de cette figure qui incarne le concept de l'harmonie, des divinités planétaires qui sont assises sur les nuages en contrebas de cette figure. Donc on trouve dans un premier temps au nord, à nouveau regardez, rappelez-vous, le Jupiter avec son aigle noir, c'est-à-dire le roi des dieux, le roi du ciel, mais aussi à côté le dieu Mars, qui est le fils de Jupiter, qu'on le reconnaît parce qu'il est armé pour partir à la guerre. Juste en dessous, on retrouve le dieu Apollon, qui tient dans sa main un rayon de soleil et dans l'autre sa lyre. Puis légèrement en dessous, au sud-ouest, Vénus, qui est accompagnée de Cupidon. Donc Vénus, la déesse de l'amour, tient dans sa main son arc. Voilà. À côté de Vénus, le dieu Mercure, qui est coiffé de son casque ailé et qui tient dans sa main le caducé. Au-dessus, la Diane, chasseresse, accompagnée de ses deux chiens lévriers et dont le front, dont la chevelure est coiffée d'un croissant de lune. Et enfin, au nord-est, Saturne, avec sa faux, qui est représentée. Donc toutes ces figures sont environnées de signes du zodiaque, hein, le Sagittaire, le Poisson. Donc on a vraiment l'idée d'un horoscope planétaire, des divinités, et donc d'un cosmos païen où les figures vivent en harmonie parce qu'elles sont dominées par cette figure que l'on contemple donc en levant la tête, hein, c'est-à-dire en direction d'une vision plafonnante, hein, qui nous domine. C'est l'idée donc que l'harmonie préside au cosmos, et d'ailleurs cette harmonie préside au cosmos divin, mais aussi au monde des hommes. Alors on a une transition qui se fait peu à peu de la voûte aux lunettes, puisqu'effectivement on a deux allégories des saisons qui sont représentées dans les lunettes. Donc dans la lunette sud, on a l'allégorie de l'hiver et du printemps, représentée par Vulcain et Vénus, hein, Vénus représentée avec ce canon tout à fait vénitien, un corps bien en chair. Donc elle est allongée, le corps bien en chair orné de bijoux, hein, son bracelet de bras notamment, et un collier négligemment posé sur sa cuisse, la chevelure coiffée encore une fois à la mode vénitienne, et Vulcain qui se tient donc à gauche. Et d'ailleurs, tous deux sont accompagnés d'une nymphe qui s'appelle Proserpine et qui est la déesse des saisons. Donc on a là l'allégorie de l'hiver pour Vulcain et du printemps pour Vénus. Donc des saisons qui concernent les hommes. Dans la deuxième lunette, on a cette fois-ci une allégorie de l'été et de l'automne avec la déesse Cérès, qui est dénudée, représentée de dos, la chevelure ramassée et coiffée d'épis de blé. Elle est représentée en train de se courber en direction du dieu Bacchus, qui est en train de presser le raisin dont le jus s'écoule dans un plat. Donc à nouveau, la représentation avec Cérès et Bacchus de l'été et de l'automne. On constate que tout comme les divinités planétaires, ces figures siègent sur des nuages. Ils ne sont pas vus d'asotomissu, ils ne sont pas vus de dessous. Donc il y a une hiérarchisation qui s'établit par le choix du point de vue dans la représentation. Ils sont légèrement en dessous des divinités planétaires qui sont elles-mêmes surplombées par cette figure de l'harmonie, avec cette idée d'une certaine façon que l'harmonie régit, hein, d'une certaine façon, la villa, régit la pièce principale de la villa. Donc c'est la recherche de l'harmonie
qui gouverne la composition architecturale, c'est aussi la recherche de l'harmonie qui gouverne le programme iconographique.